Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner au magazine sur le site histoireetcivilisation.com à partir d'un euro par mois. Yves Bomati, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, spécialiste des religions et spécialiste de l'Iran, diplômé de l'école pratique des hautes études. Et vous venez de publier aux éditions Perrin « L'âge d'or de la Perse, l'épopée des Safavides, 1501-1722 ». Je rentre directement dans le sujet, Yves Bomati. Est-ce qu'il faut parler de Perse ou bien d'Iran ? Bien, c'est un sujet à l'ordre du jour, puisque je lisais encore il y a 3-4 jours un article là-dessus où l'auteur précisait que en 1935, lorsque l'avant-dernier Shah Pahlavi, Reza Shah Pahlavi avait décidé que tout le monde emploierait le mot Iran et non plus Perse, eh bien cet auteur a pensé que c'était à cause d'une alliance avec des nazis qu'il avait préféré le mot Iran. En fait, le mot Iran a toujours été employé par les Iraniens. Iran signifie pays des Aryens. Arya, c'est Iran. Les Iraniens se sont toujours appelés ainsi. Perse, c'est totalement différent. C'est une région du sud de l'Iran et c'est la région de Cyrus le Grand. À partir de ce noyau, il a conquis les Mèdes au nord et puis après, il a constitué avec ses suiveurs un empire. De ce fait, on a utilisé en Europe une terminologie grecque, Persis, pour désigner ce vaste ensemble impérial. Et c'est resté. C'est resté ainsi chez les ambassadeurs jusqu'en 1935. Cela dit, ils ont été rappelés à l'ordre et Reza Shah, pour des raisons simplement de retour à ce qui doit être, a demandé à ce qu'on appelle l'Iran et non plus la Perse. Alors on ne peut comprendre l'Iran contemporain sans l'étude de la lignée des Safavides, de ces 221 ans que vous décrivez dans votre livre « L'âge d'or de la Perse ». Alors, il est difficile de comprendre l'Iran de toute façon si on ne comprend pas sa religion, ses institutions, puisque aujourd'hui encore, elles ont des conséquences que tout le monde a pu connaître. L'Iran des Safavides est particulièrement intéressant puisque en 1501, les Safavides vont véritablement créer une novation rare dans le monde islamique. Ils vont créer le premier empire chiite et non pas sunnite, car les sunnites constituent la communauté musulmane majoritaire dans le monde musulman à 90%. Les chiites sont 10% de ce monde musulman. Et les Safavides, avec une audace incroyable, car ils se méfiaient beaucoup de leurs voisins ottomans à l'ouest et de leurs voisins ouzbeks à l'est, qui étaient sunnites, ont créé cette différence, qui est une différence religieuse certes, mais aussi politique. Alors on va revenir sur cette année 1500 qui est absolument essentielle. C'est vraiment une période d'âge d'or, c'est le titre de votre livre, c'est l'apogée de la puissance iranienne dans l'histoire. Alors, il y a eu d'autres âges d'or, l'époque de Cyrus le Grand, puis de Darius, qui ont constitué un empire jusqu'à l'Égypte, tout de même, peuvent constituer pour certains un âge d'or. Pour ce qui est des Safavides, je dirais que l'âge d'or Safavide, c'est véritablement la période du Shah le plus important, l'équivalent de Louis XIV, celui qui a vécu à l'époque de Henri IV et de Louis XIII, que l'on appelle Shah Abbas Ier le Grand, et qui donc a été gratifié du terme de « le Grand » parce qu'il a vraiment constitué les bases de l'Iran moderne.
avant lui, l'État a essayé de se stabiliser par d'autres chats, et après lui, l'État s'est quelque peu affaissé car il n'avait pas cette vision exceptionnelle qu'avait Shah Abbas et que les Européens ont largement célébré. Alors, ce qui m'a surpris en lisant votre ouvrage, c'est de voir évidemment l'importance des sources iraniennes, mais aussi des sources occidentales qui sont très nombreuses sur le sujet. Alors, les sources iraniennes, et j'ai eu la chance de travailler avec un Iranien pour les quatre ouvrages précédents que j'ai fait sur l'Iran, les sources iraniennes sont en effet très importantes, mais ont été peu exploitées par les Européens, tout simplement à cause de la langue. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le meilleur des traducteurs, puisque j'ai travaillé pendant 20 ans avec un Iranien sur les sources iraniennes, entre autres. Les sources européennes sont elles-mêmes extrêmement nombreuses. La première des sources, c'est Marco Polo, au XIIe siècle, dans son Livre des Merveilles, mais surtout, elles deviennent très très importantes à partir de la fin du XVe siècle et jusqu'à aujourd'hui, avec toute une panoplie de voyageurs français, vénitiens, allemands, anglais, etc., etc., d'ambassadeurs, et de bijoutiers, de marchands et beaucoup, beaucoup de missionnaires protestants et catholiques. Donc on a des sources extrêmement variées avec des points de vue totalement différents, soit politiques, soit marchands, et qui ont permis justement à ce pays de sortir d'un certain oubli, à vrai dire, puisque si on parle de Perse aussi facilement, c'est qu'on se réfère surtout à l'Iran des Achéménides, l'Iran du 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et on parle moins de cet Iran plus contemporain, tout simplement parce qu'il s'est vraiment réouvert et réveillé, avec quelques difficultés certes, à partir du 16e et surtout du 17e siècle. Est-ce que on assiste à une évolution historiographique quand on étudie l'Iran aussi importante que notre propre évolution historiographique sur bien des sujets occidentaux? C'est très difficile, en fait, de répondre à votre question. D'abord, à cause de la langue. Il est sûr qu'en Iran, les ouvrages sur l'histoire iranienne sont extrêmement nombreux et puis ils sont très, très volumineux. En Europe, à cause de notre politique, nous en avons eu beaucoup moins. Et les Français ont commencé vraiment à s'intéresser à l'Iran simplement à partir des années 1660. Car auparavant, au XVIe siècle, François Ier s'était beaucoup plus intéressé aux Ottomans, avec lesquels il avait signé des contrats en 1536, les fameuses capitulations, et qui ont en quelque sorte isolé la France du concert européen, qui, lui, s'est beaucoup intéressé à l'Iran, à savoir les Hollandais, les Anglais, bien sûr, un peu les Russes, et puis, enfin, en tout cas, surtout les Anglais, les Hollandais et les Espagnols. Les Français, donc, préféraient les Ottomans pour des raisons stratégiques, commerciales également. Donc, il y a une tradition historique, une tradition nationale, et il ne faut pas hésiter à aller sur des travaux étrangers. Il ne faut pas hésiter à aller sur des travaux surtout anglo-saxons, qui sont nombreux. Le travail qui fait date sur la période des Safavides est celui de Roger Savory, qui a écrit le livre, disons, de référence il y a 40-45 ans à peu près, hein, en 1980. Bon, il y en a eu d'autres. Il y a eu beaucoup de petits articles américains, anglo-saxons, un petit peu espagnol, mais beaucoup moins, qui ont fleuri dans les années enfin du XXe siècle et dans notre XXIe siècle. Mais on peut pas dire que nous autres nous ayons vraiment investi le champ de façon massive. Voilà, le premier ouvrage qu'on connaisse sur l'Iran est celui de Lucien Bélan en 1932, mais ensuite c'est plutôt des petits ouvrages ou des recherches universitaires qui, elles, prenaient
un point ou un point de vue sur une dynastie. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de travailler non seulement sur la dynastie, mais également sur toutes ses racines. Car on ne peut pas comprendre une dynastie qui éclate en 1501 si on ne comprend pas qu'elle a été bâtie par 200 à 300 ans auparavant. Alors, nous allons y venir en tous les cas. Vous apportez énormément et votre livre est remarquable. Tout commence en 1276 avec la rencontre entre un jeune homme de 24 ans, Safi al-Din, Ishak, je ne sais pas si je prononce bien, et le cheikh Zayd. Oui, alors, comme toute dynastie très importante, elle avait besoin d'une sorte de récit mythique, et c'est sans doute vrai cette rencontre, mais elle a été magnifiée par la suite. Alors, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que l'Iran était extrêmement bouleversé, c'était l'époque de Gengis Khan. C'est-à-dire que la terre était ravagée, les Iraniens disent qu'il fallait réensemencer la terre. Tout était bouleversé, les villes étaient, on rentrait dans des villes par des pyramides de crânes, etc. Bon, je n'y reviens pas. Et à ce moment-là, au XIIIe siècle, les gens étaient extrêmement déboussolés et ils cherchaient des sortes de directeurs qui pourraient les amener sur une voie beaucoup plus spirituelle, puisque le matériel était particulièrement troublé. Il y a la volonté d'un monde nouveau. Il y a la volonté d'un monde nouveau de se repérer. Il y a eu un très grand traumatisme également au 8e siècle, puisque les Iraniens qui étaient zoroastriens ont été obligés de devenir musulmans. Donc, premier traumatisme, ils ont eu 200 ans de silence quasiment, où ils ont essayé de retrouver une identité, puisqu'ils ont dû même changer un petit peu leur façon de prier, de concevoir le monde. Et puis il y a eu ce grand traumatisme de Gengis Khan, et c'est pour ça qu'à partir du XIIIe siècle, des maîtres soufis, ce sont le soufi étant un courant mystique destiné à élever l'âme des gens qui y adhèrent par de l'ascèse, le renoncement au monde, donc l'élévation vers l'essentiel, vers le divin. Donc plusieurs groupes de soufis se sont constitués, et parmi eux, celui d'un cheikh extrêmement important qui s'appelait Zahed Gilani de la région du Gilan, qui est vers la Caspienne, sur les montagnes de la Caspienne, qui aujourd'hui sont recouvertes de thé, mais le thé n'a été introduit qu'au 19e siècle en Iran, mais qui était beaucoup plus agricole dans sa diversité. Donc voilà, la première attache des Safavides se passe dans ce début du XIIIe siècle, et c'est un jeune homme qui arrive, après plusieurs expériences qui ne le satisfaisaient guère, qui arrive chez ce cheikh Zahed, et merveille des merveilles, et là je pense que la légende y est pour beaucoup, l'éblouissement est des deux côtés, entre le vieil homme et ce jeune homme qui voit en lui, alors qu'il a des enfants, son héritier, son disciple spirituel, ce qui va poser quelques problèmes à sa propre famille, mais en même temps qui va permettre de faire naître quelque chose d'assez unique dans le paysage iranien. Donc c'est Safi al-Din qui fonde une nouvelle confrérie du nom de Safaviyya, qui donne le nom de Safavide. Alors voilà, son nom c'est Safi, donc Safaviyé ou Safaviya, si vous prononcez à l'iranienne, on dira plutôt Safaviyé, mais on peut écrire ce qu'on veut, hein, les deux graphies sont correctes, et en effet, il va devoir se séparer de la Zahidiyé, qui est la confrérie de son maître, Cheikh Zahed, pour fonder, à cause du fils de Cheikh Zahed, sa propre confrérie, parce que en plus il a un certain aura, il aura extrêmement assisté le grand maître. Bon, il était aveugle sur la fin de sa vie, donc c'est lui qui lui lisait les grands textes poétiques, soufis, etc. Et il va prendre son envol à partir de ce moment, avec une scission qui va être le début, donc véritablement, de la pensée safavide, dont le moteur est au départ le soufisme, c'est-à-dire la spiritualité. Et alors c'est très important, parce que au fond, on voit que cette dynastie, elle se fonde sur une pensée, c'est-à-dire sur une
voilà, sur une intelligence religieuse. Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle... C'est moins un rapport de domination, c'est moins, j'allais dire, une question politique. Par exemple, on pourrait prendre l'exemple de Clovis en se disant, est-ce que ce fut un choix politique ou religieux ? On ne sait pas vraiment. Là, dans ce cas, il y a une volonté de création religieuse. Oui, de création spirituelle. Oui. Religieuse, oui, bien sûr, mais ça viendra plus tôt avec l'adoption du schisme au XIVe siècle. Mais au début, c'est véritablement réunir des disciples, ce qu'on appelle des mourides, pour que on s'élève ensemble vers le mieux-être, on élève véritablement sa pensée vers ce qui est essentiel. Mais cette vocation spirituelle va progressivement se convertir en une vocation aussi hégémonique, politique, car progressivement, avec le temps, avec le siècle qui va passer, le soufisme va s'allier au schisme, qui est là véritablement religieux, et en même temps que cela, des appétits commencent à poindre pour en faire un mouvement religieux qui compte dans la région. Religieux, bien sûr, à base de schisme, mais politique également. Alors justement, on va passer sur ces deux siècles où religion, politique, domination et donc guerre sont intimement liés. C'est ce que vous décrivez sur plusieurs de vos chapitres de votre première partie. Quand est-ce que la dynastie assume sans équivoque ses liens avec le chiisme ? Vous donniez la réponse tout à l'heure, c'est 1501. Que représente véritablement 1501 ? C'est la date peut-être la plus importante de l'histoire de l'Iran ? Il y a eu d'autres dates fort importantes, mais en tout cas, c'est une date de fondation. 1501, c'est, une volonté d'identité d'un Iran qui est extrêmement morcelé. Morcelé dans ses territoires, puisqu'il est grignoté de partout, donc les Ottomans et les Ouzbeks, ça c'est récurrent pendant toute l'histoire des Safavides, mais aussi morcelé par ses langues, et morcelé, il y a 17 ou 18 langues en Iran, et il n'y a pas d'identité véritablement claire. Donc, en créant ce pays, c'est aussi, et aussi en choisissant le schisme comme argument sans doute religieux, mais à mon avis, surtout politique, c'est une façon de resserrer les diversités pour en définir un peu plus ou mieux ce qu'est l'identité iranienne. Créer une unité. Créer une unité, et cette unité passe par la religion. Et elle ne sera pas facile, puisqu'il va y avoir Shah Ismail Ier, le Shah aux yeux bleus. Bleu, ça c'est très romantique, mais la réalité est beaucoup plus guerrière. Il va forcer une partie de la population à adhérer au schisme, alors que le nord de l'Iran, vers Tabriz, et sur les marches de l'Iran vers l'ouest, il y avait beaucoup de sunnites. Et on va faire venir du Liban des spécialistes du schisme pour chiitiser, si j'ose dire, la population iranienne. Et s'il le faut, si elle ne le désirait pas, en tuant suffisamment de monde pour que tout le monde soit convaincu qu'il fallait être chiite et non plus sunnite. Donc voilà, ce sera un enfantement dans la douleur. Et c'est pour ça que le schisme restera bien sûr dominant, mais tout de même, il y aura quand même des dissidences à l'intérieur de l'Empire Safavide, et on le verra par la suite. Vous êtes à l'écoute de Storia Voce et je reçois Yves Beaumati, auteur du livre « L'âge d'or de la Perse, l'épopée des Safavides, 1501-1722 », un livre paru chez notre partenaire, les éditions Perrin. Nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par notre rédaction avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez d'ailleurs toujours soutenir notre association, pardon. N'hésitez pas à le faire et faites-le tout simplement en faisant un don, en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site internet Storia Voce. Vous le savez, tous ceux qui sont habitués le savent, en faisant un don, eh bien vous recevez tout simplement un livre d'un
d'un partenaire de votre choix. Alors, je reviens à Ismaël. Ismaël Ier, donc c'est 1501, il meurt à 37 ans en 1524. Est-ce qu'il est aussi important que celui, que le, est-ce que son règne est aussi important que celui d'Abbas Ier, avec, on va dire, ses limites de gouvernement? En fait, Ismaël Ier est, en tout cas jusqu'en 1514, un conquérant. Bon, il va, dans les années 1507, réussir à conquérir Bagdad et sa région, etc., qu'il va perdre ensuite. Il va forcer les gens au schisme, certes, mais aussi il va essuyer une défaite très très importante contre les Ottomans, qu'est la défaite, la bataille de Chaldiran, qui va laisser exsangue cet empire qui commence à naître. Mais curieusement, par le côté chevaleresque de Ismaël Ier et des gens qui le suivaient, cette défaite va en quelque sorte ressouder un empire par rapport à une identité qu'il avait commencé à bâtir. Et ça, c'est très important. En revanche, par rapport à Abbas Ier, il est bien évident que Ismaël Ier a réussi à fixer certains éléments fondateurs de l'Iran moderne, mais c'est surtout Abbas Ier qui va véritablement faire passer l'Iran d'un esprit chevaleresque, de la guerre, d'institutions qui ne se tenaient pas, qui va obliger les différentes factions qui existent en Iran à l'époque, à savoir ceux qui ont permis à Ismaël Ier de conquérir le trône qu'on appelle les Têtes Rouges, les Kizilbash, extrêmement important. Il va essayer de juguler toutes les différences des influences dans ce royaume, donc les Têtes Rouges, les religieux, les administratifs, les grands potentats. Et c'est ce que va apporter plutôt Shah Abbas Ier dans une véritable construction d'un État fait pour durer. Alors justement, ce personnage, Shah Abbas Ier, son ascension est assez étonnante. C'est un prince inattendu, un prince oublié même. Comment arrive-t-il au pouvoir? Eh bien, il arrive au pouvoir par un coup de dé. Et il ne devait pas régner, ce n'est pas le prince héritier, c'est le deuxième dans l'ordre d'accession au trône. Bon, le premier, hélas, son frère a été tué. Il aurait dû, en effet, accéder au trône en tant que deuxième, mais on lui a préféré le troisième. Cela étant, un des grands militaires de l'époque ne l'entend pas ainsi et va se servir de ce prince complètement oublié, extrêmement modeste, ne parlant pas beaucoup, oublié dans le Khorasan, qui est vers la Caspienne, un petit peu vers l'Afghanistan actuel. Il va penser qu'en se servant d'un prince oublié, modeste, timide, paraît-il, il va pouvoir gouverner à sa place. Et ce Kizilbar, ce tête rouge, donc faisant partie des hauts gradés de l'armée, s'appelle Moshed Holi Khan Stajlu, qui est une des très grandes tribus tête rouge Kizilbash. Donc, c'est improbable qu'il réussisse à régner, mais Shah Abbas, donc couronné très très jeune, cache son jeu et au bout d'un an, il va assassiner son mentor, si j'ose dire, et prendre le pouvoir. Donc là aussi, on retrouve un peu cet Orient violent, cet Orient où ça saigne beaucoup, si j'ose dire, mais il n'empêche que là, il allait se faire voler ce à quoi il avait droit, et il va véritablement avoir une vision de ce que devrait être un État souverain, un État qui regroupe la plupart de ses sujets sans que les uns veuillent prendre le pas sur les autres. Vous utilisez le terme de souverain absolu. Est-ce que ce terme d'absolu peut être assimilé au concept d'absolutisme occidental ? À mon avis, il y a de très grandes similitudes dans la mesure où tout remonte d'une façon ou d'une autre à Shah Abbas, c'est-à-dire même des décisions prises au nom de la charia,
qui aurait dû être, puisque c'est un État chiite dominant, comme ça l'est aujourd'hui, ce qui est quand même un choix particulier, eh bien, à cette époque-là, il a trouvé, il a créé un poste qui empêchait les religieux de dominer. C'est ce qu'on a. Il ne voulait pas que le turban domine le sceptre. Et ça, ça résine. Le turban, c'est celui des cheikhs et des religieux, et le sceptre, celui, bien sûr, du régalien. Donc, ça résume bien sa volonté. La religion, oui, bien sûr, puisque c'est un des piliers de l'État, mais ça n'est pas le seul pilier de l'État. L'autre pilier, les autres piliers sont l'économie et puis une vision véritablement progressivement internationale qui sera une grande nouveauté puisque jusque-là, la Perse, comme disent nos ambassadeurs, encore aujourd'hui parfois, en tout cas l'Iran, était extrêmement fermé à l'étranger. À l'extérieur, oui, oui. Alors, je vais rester sur cette idée d'État. Hein. C'est un char réformateur, vous l'avez dit, avec une structure, mais c'est une structure étatique pyramidale, centralisatrice. Est-ce qu'on peut parler d'un État, pardonnez-moi le terme contemporain, mais d'un État policier avant la lettre? Alors, c'est un État, en tout cas, autoritaire, bien sûr, policier, c'est peut-être trop contemporain parce que aujourd'hui l'Iran a 80 millions d'habitants. À l'époque, il y en avait 5. Il faut voir les choses comme elles sont. Puis les moyens de communication ne sont pas tout à fait les mêmes. Il n'empêche que tout revenant au souverain, il y avait des procédures de contrôle à tous les étages. Aussi bien les hauts bureaux étaient contrôlés par des agents, aussi bien les étrangers, lorsqu'ils rentraient sur le territoire, étaient suivis, bon, extrêmement bien accueillis certes, mais c'était aussi une façon de vérifier leur déplacement. Aussi bien le boulanger était surveillé par rapport au poids de son pain, et si le poids de son pain n'était pas conforme à ce qui était édicté, il pouvait être puni. Donc, vous avez raison de dire qu'il y a là un contrôle, une sorte d'œil d'Ispahan, puisque ce sera la grande capitale de Shah Abbas, et je pense que c'est un modèle extrêmement oriental à l'époque de régir un peuple, parfois par la peur, parfois aussi par l'adhésion, tous ces éléments permettant, en tout cas dans les mentalités, de faire tenir un État qui lui-même serait parti à volo s'il n'y avait pas cette gouvernance, peut-être à nos yeux, bien entendu, extrêmement rigide. Vous montrez bien qu'il y a une méritocratie, qu'il y a un sens de la justice. Est-ce que ce sens de la justice relève de la légende, un peu comme notre Saint-Louis? Mais est-ce que c'est une justice près du peuple? Vous racontez la fameuse anecdote du marchand de lait de Mostafa qui devient gouverneur de région. Alors, bien sûr, ces anecdotes sont faites pour alimenter la légende de justice. Hein. Mais il est vrai aussi que ce chat se mêle à la foule. Il adore se déguiser, il adore savoir ce que l'on dit de lui également, puisqu'il ne croit pas non plus forcément tous les rapports qu'on lui fait, et il n'hésite pas à enfreindre les règles. La méritocratie, ça veut dire, si les Arméniens qui sont chrétiens sont bons pour l'économie, eh bien, prenons les meilleurs d'entre eux et bâtissons l'économie grâce à leur réseau. Si tel Géorgien qui s'est converti à l'islam est meilleur que les Turcobènes, les têtes rouges Kizilba, eh bien, donnons-lui une province. Et en fait, tous ceux qui ne sont pas au niveau sont progressivement éjectés au profit d'autres choix, qui peuvent être aussi condamnables, mais en tout cas, qui donnent l'impression que la société n'est pas bloquée à un niveau par des familles qui la domineraient d'une façon étanche, et qu'il y a de la place, en tout cas, pour que chacun puisse évoluer selon ses capacités. Par exemple, les meilleurs des artisans sont extrêmement
choyer, ceux qui font les tapis, les meilleurs des... On essaie de choisir les meilleurs pour que l'État domine sur le plan militaire, mais aussi sur le plan humain et sur le plan artistique. Est-ce qu'en conséquence, on peut parler, en voyant cette idée de méritocratie, est-ce qu'en conséquence, on peut aussi parler d'une tolérance religieuse ? Alors, la tolérance religieuse, elle est inscrite non pas dans les premières années des Safavides, ni d'ailleurs dans leurs dernières années, mais elle est inscrite dans l'époque de Shah Abbas. Et il aimait beaucoup aller dans les églises chrétiennes. Il acceptait tout à fait que l'on puisse manger du porc lorsqu'on était chrétien. D'ailleurs, il y avait deux porcheries autour d'Ispahan pour que ses hôtes chrétiens puissent aussi manger comme chez eux, ce qui est quand même une aberration dans un pays ottoman. Il y a véritablement une... j'aime pas le mot tolérance, à vrai dire. Parce qu'il est anachronique. Je pense qu'il n'est pas anachronique, mais pour moi, tolérer, c'est supporter l'autre. Moi, je préfère le mot respect. Mmh. Il y a un respect des croyances zoroastriennes, des croyances juives, encore que de temps en temps, il aurait bien aimé qu'ils se convertissent. Mais bon, comme il voyait que ce n'était pas possible et que ceux qui se convertissaient, de toute façon, continuaient en cachette à poursuivre leur rite, bon, il abandonne ceci. Et puis, bon, il accepte vraiment la différence. Et ça, c'est quelque chose que peu de royaumes à cette époque pouvaient tolérer. Donc, il y a bien entendu eu de temps en temps persécutions. Des accros, oui, des persécutions. Sous Shah Abbas, il n'y en a pas vraiment eu. Il a essayé de persécuter une ou deux fois, mais il était à peu près... Bon, il buvait beaucoup de vin, comme la plupart des souverains safavides. On appelait ça le mal safavide, M-A-L. Et deux jours après, il se repentait et il réunissait tout le monde en disant « Ben non, il faut pas du tout tenir compte de cela. » En revanche... sous son petit-fils Abbas II, à un moment où il avait un petit peu perdu l'envie de gouverner, un de ses premiers ministres, par rapport à la communauté juive, a été extrêmement... il a empêché la communauté juive, d'abord, de jouir de ses privilèges, les a obligés à payer, bien sûr, une dîme, mais aussi les a obligés, ça c'est un auteur français qui le dit, de l'époque, à apporter un petit carré d'étoffe de couleurs différentes sur leurs vêtements. Donc, je ne commenterai pas cela, mais tout de même, c'est une pratique qui est discriminatoire à un point que l'on a revu plus tard. Alors, nous évoquions la comparaison avec Louis XIV, mais à la différence de Louis XIV, la représentation de Shah Abbas est plutôt sobre. C'est un personnage qui sait s'habiller sobrement, ce n'est pas le solaire Louis XIV, il préfère... La simplicité. Dans ses costumes, quand il était jeune, c'est vrai qu'il aimait bien les bijoux sur ses énormes turbans qui pesaient plusieurs kilos avec des diamants, etc. Et puis en vieillissant, il aime bien s'habiller comme un paysan. D'abord, il va se promener dans les rues comme ceci. Il ne s'habille de façon majestueuse, d'ailleurs on le voit sur les peintures qui ornent les palais de l'époque, que lorsqu'il y a des ambassadeurs, parce que là, il a compris ce que signifiait l'image. Et puis, peut-être qu'il ressemble à Louis XIV par ses constructions, par son goût extrême de l'art, et il va faire d'Ispahan un Versailles de l'époque, avec des mosquées extraordinaires, avec des places merveilleuses, et surtout un souci de l'urbanisme qui est extrêmement contemporain par rapport à nos goûts d'aujourd'hui. Est-ce que c'était un intellectuel ? Est-ce qu'il avait le goût de l'intelligence, le goût de l'étude ? Alors, dans sa jeunesse, il avait appris plusieurs langues. S'il n'a pas eu une formation comme on pourrait l'imaginer aujourd'hui, en tout cas, il aimait beaucoup les lettrés. Il aimait beaucoup même les dissidents lettrés et beaucoup les artistes. Il adorait écouter les conversations savantes et c'est comme ça qu'il a appris sur le tas, si j'ose dire, mais entouré des meilleurs aussi de sa génération, avec une énorme admiration pour l'intelligence des autres.
Il ne nous a pas donné lui-même d'écrit. Hein. Nous avons simplement des lettres de lui où il y a déjà 40 lignes de formules de politesse et après on en vient au fait, ça c'est tout à fait persan. Mais il n'empêche, on ne peut pas vraiment le juger, mais vu son goût et son appétence pour le mécénat, pour la créativité, le fait qu'il se soit entouré d'architectes extraordinaires, et il n'y a pas de doute d'abord il était d'une intelligence hors pair, il parlait au moins 4-5 langues, mais en même temps il savait écouter et utiliser les compétences qu'il y avait autour de lui. C'est un chat guerrier aussi, oui. Qui mise sur le sentiment national. Est-ce que là aussi, l'idée de sentiment national, vous évoquiez tout à l'heure l'identité, est-ce que le sentiment national est un anachronisme ou on peut l'utiliser ? Ce n'est pas un anachronisme. Depuis la défaite de Chaldiran en 1514, le sentiment national s'est vraiment incrusté dans le peuple et la civilisation iranienne, et la valorisation et du sacrifice et la valorisation aussi de l'effort collectif. Je ne pense pas que ce soit donc un anachronisme. Shah Abbas et la plupart des Shahs vont vouloir vraiment aller dans le sens de la valorisation de ce qui est iranien. Le Med in Iran va véritablement être sujet d'exportation et les cours européennes vont se peupler de ces fabuleux tapis. Mais même les Ottomans, ils vont tellement aimer l'art iranien qu'ils vont faire venir des Iraniens pour réformer, pour refaire leurs mosquées, etc. Et à part la faïence d'Isni, qui était l'art suprême dans lequel les Ottomans brillaient, bien, tout le reste, véritablement, est très influencé par l'innovation iranienne. Donc, un chat guerrier ? C'est un chat guerrier, bien entendu. Alors, jusqu'à lui, on se battait comme des chevaliers, c'est-à-dire il fallait que l'ennemi commence à attaquer, puis après on commençait à discuter comment on allait faire. Mais lui, au contraire, il a pensé que les armées européennes étaient meilleures que les siennes, et donc il va demander à des Anglais, à partir de 1599, de venir éduquer son armée à l'anglaise, avec une discipline anglaise. Il va aussi voir que d'un côté, les Ottomans avaient des canons, etc. Eh bien, lui-même va s'en procurer, va faire venir toute cette artillerie et toute cette machinerie de guerre qui n'était pas dans les gènes des chevaliers de ses ancêtres. Hein. Mais il va vouloir véritablement moderniser l'armée pour pouvoir entrer dans le concert de ces empires de la poudre à canon que sont les Ottomans et les Moghols, conjointement donc à cet Iran de Shah Abbas. Alors c'est à la fin du XVe siècle, donc bien avant lui, que l'idée d'une alliance entre la Perse et l'Occident s'enracine. C'est aussi Shah Abbas, un roi diplomate, mais qui ne comprend pas au fond la complexité occidentale. Oui, vous avez entièrement raison. On dirait qu'il essentialise l'Occident. Oui, sans doute. Mais il pense que l'Occident est en quelque sorte régi aussi par la religion. Ce qui est faux. C'est pour ça qu'il va s'adresser surtout au pape. Lorsqu'il va envoyer des ambassades, il ne va pas en envoyer beaucoup. Absolument. Enfin, vos chapitres sur cette alliance, c'est absolument fascinant. Oui, c'est fascinant parce qu'il pense que c'est comme chez lui, le schisme est très important. Bon, il faut aller voir les grands pontes chiites hein, quand on vient à Ispahan. Mais il pense qu'en Europe, ben c'est pareil, il faut aller voir d'abord le pape. Et il pense aussi que l'Europe est unie, puisqu'ils sont chrétiens. Il n'a pas compris que tout le monde se tire dans les pattes. Les Français ne veulent pas des Habsbourg. Les Anglais, comme d'habitude, bon, ils font... Entre deux. Voilà. Ce qui les intéresse, c'est leur propre intérêt, comme ils ont toujours fait dans l'histoire. Pardon si j'en choque certains. Et puis les Espagnols, ben, eux-mêmes, ils regardent d'un sale œil quand même des chiites venir chez eux. Hein. Donc tout cela, il ne l'a pas compris. Et il ne le comprendra jamais. Donc ce seront peut-être les suivants qui vont finir par comprendre la complexité européenne
et ce faux village où tout le monde a une famille différente. Est-ce que l'Occident, de son côté, comprend, lui, l'importance stratégique de l'Iran contre l'Empire ottoman ? Alors, l'Occident, une partie de l'Occident, lorsqu'il a eu des démêlés avec l'Empire ottoman, jusque à la victoire de Lépante, où les Ottomans sont devenus moins... 1572 1571, pardon. Enfin, à deux ans près, c'est pareil. Les Ottomans sont devenus moins importants pour le commerce européen. Donc, et les Ottomans vont se retourner vers plutôt l'Asie. Ils vont essayer, puisqu'ils réussissent pas tant en Méditerranée, ils vont aller de l'autre côté. Donc, mais ce que Shah Abbas, lui, avait compris, dans les années, donc, son règne, c'est 1587-1629, c'est une alliance de revers, parce que lui craignait beaucoup les Ottomans, et le réveil des Ottomans. D'ailleurs, ils vont se réveiller après sa mort, ils vont reprendre Bagdad, etc., les conquêtes qu'il avait faites. Donc, il aurait aimé d'une alliance de revers avec l'Europe. L'Europe ne comprendra pas, voudra surtout faire du commerce, et surtout pour les Anglais, par exemple, avoir une voie pour aller en Inde, qui est quand même son pré-gardé. Donc, une sorte de malentendu, alors qu'on avait tout à gagner à avoir cette alliance, et avec les Ottomans peut-être, mais aussi avec les Persans. Alors, Shah Abbas meurt le 21 janvier 1629. Il a 58 ans, 42 années de règne. Alors, il y a bien sûr la légende dont on a parlé, mais au fond, cette grandeur n'est pas usurpée. Non, elle n'est pas usurpée parce qu'il a vraiment travaillé, bien sûr, sur le mécénat. Il a bâti une ville absolument extraordinaire. Il a inventé, parce que c'est une invention, les structures d'un État, avec une structure pyramidale qu'on peut, bien entendu, critiquer. Mais n'empêche que cette structure était très claire. Les gouverneurs de province, au-dessus, il y avait des gens qui les supervisaient. Et puis après, on arrivait aux derniers étages, qui étaient ceux du régalien le plus pur. La justice également, qui était arbitraire à une époque, il a réussi à juguler cette justice arbitraire. Tout le monde pouvait aller à un moment le solliciter directement, un peu comme en Chine où on agitait une cloche, hein, lorsqu'on voulait que son affaire soit jugée par le roi. Mais donc, il a réussi quand même, là où il n'y avait rien. Avant, les personnes ne voulaient aller en Perse, d'ailleurs, c'est les Ottomans, c'était dur aussi, parce que ce n'était pas sûr, les routes n'étaient pas sûres. Bien, il a inventé aussi un système de radars, ce qu'on appelait les radars. Alors, ce n'est pas les radars d'aujourd'hui, mais c'était des gens qui étaient sur les collines, et dès qu'il y avait un étranger ou dès qu'il y avait un vol, ils intervenaient. Et si le vol avait été déjà commis, eh bien, on demandait au potentat de la région, au gouverneur de la région, de rembourser la personne qui avait été volée. Donc, tout le monde se tenait un peu par la barbichette, et tout cela étant bien sûr contestable, finissait quand même par avoir des résultats, c'est-à-dire que la plupart des Européens qui sont venus en Iran, en Perse, ont vanté la sécurité des chemins. Est-ce que le Shah Abbas Ier reste un mythe aujourd'hui pour l'Iran qui, à contrario, met le religieux et le spirituel avant le politique ? Alors, je pense que le politique était aussi très important. Religieux, spirituel, certes, mais c'était un homme politique. Sinon, son territoire aurait été grignoté. Mais sa légende est si forte qu'aujourd'hui, on célèbre encore dans les contes de la mémoire de Shah Abbas. Puis bon, son enterrement a été quelque chose d'absolument somptueux. Bon, sa dépouille est partie portée par des hommes sur près de 400 km.
mètres. Enfin bon, je ne sais pas dans quel état il est arrivé, mais en tout cas, il y a eu une vénération par rapport à ce chat particulier et à ce qu'il a laissé. Mais aussi, par exemple, aujourd'hui, me disait un ami iranien, on peut jurer par les poils de sa moustache. Il y a des dictons dans lesquels Shah Abbas est important. Lorsqu'on ne sait pas de quand date un monument, on dit, mais c'est Shah Abbas qui a fait cela. Donc, il y a une sorte de consensus par rapport à Cyrus le Grand, bien sûr, avant, et Shah Abbas, évidemment, au XVIe, XVIIe siècle. Alors, je ne disais pas qu'il laissait le religieux devant le politique, mais au contraire, à vous entendre, qu'il mettait le politique au-dessus du religieux. Et est-ce qu'au fond, ce discours fait écho constitue un écho pour notre époque contemporaine, pour l'Iran contemporain? Alors, aujourd'hui, c'est soi-disant l'inverse. C'est le religieux qui l'emporte sur la... On est dans une théocratie aujourd'hui avec le gouvernement du docte, hein, le fameux Velayat, etc., comme disent les Iraniens. Mais il ne faut pas oublier qu'une des deux tendances du schisme, c'était la tendance au souli, qui était que le meilleur des spécialistes du schisme pouvait diriger directement les fidèles. Donc, aujourd'hui, on a une de ces tendances qui est née quand même à partir du 15e siècle, 16e siècle, et bien on l'a posée dans la Constitution en disant que c'est le grand ayatollah Khamenei aujourd'hui qui dirige le pays. Le président ou le premier ministre, etc., doivent s'en remettre aux décisions suprêmes du juge religieux. Et là, véritablement, il n'aime pas Shah Abbas. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas véritablement le chat qu'il préfère, puisque lui-même était soufi, était chiite, mais était surtout un dirigeant politique. Alors, je reviens à l'histoire et à la fin de Shah Abbas. Est-ce qu'il participe d'une certaine manière au déclin de la dynastie, ou bien ce sont, dans les dernières années du règne, bien évidemment, ou bien ce sont les erreurs et la personnalité de ses successeurs à qui l'on doit imputer ce déclin? Alors, quelques historiens iraniens disent qu'on peut lui imputer une part de sa responsabilité. Bon, il a régné 40 ans, et au bout de quelques années, c'est vrai que les pouvoirs se fatiguent, et d'autant plus que vers la fin de sa vie, il est devenu extrêmement paranoïaque. En 1614, sur des rumeurs, il a mis à mort son fils aîné, qui était son héritier. Ensuite, dans les années qui ont suivi, il avait deux autres héritiers. Il les a aveuglés, et on ne peut pas hériter du royaume si on est aveugle, et il les a emprisonnés. Si bien que son successeur sera son petit-fils. Le fils de celui qui l'avait fait tuer en 1614. Et il n'aura de cesse que de gommer l'image de son grand-père. Et puis, la deuxième raison du déclin des Safavides, c'est que pour tenir un empire tel que Shah Abbas l'avait conçu, il fallait une force extraordinaire, il fallait une vision politique. Et les autres ne l'ont pas eu, sauf peut-être au début, dans les 5 ou 6 années du règne d'Abbas II, qui lui avait une grande vénération pour son grand-père et a essayé de remettre les choses que son grand-père avait promues et que son père avait, voulu faire disparaître. Mais après Abbas II, il y a eu deux rois que l'on peut appeler des rois fainéants qui... élevé dans le harem, parce que c'est aussi une des grandes faiblesses de l'Iran safavide, c'est que les princes héritiers sont élevés par des eunuques dans le harem et véritablement ne connaissent rien au moment où on les intronise. Et là, il n'y a que des influenceurs qui peuvent alors régner à leur place, et ça va être véritablement le grand souci de la fin du règne des Safavides, qui gentiment va s'écrouler. Il va y avoir des résurgences religieuses extrêmement fortes, avec des persécutions pour tous ceux qui ne voulaient pas appliquer la charia, particulièrement
notamment à cause d'un certain Majlissi en 1694. Il meurt en 99, mais bon, son influence va aussi faire en sorte que les filles ne pouvaient pas sortir seules, que qu'on ne pouvait plus boire de vin, bien entendu, sauf les chats qui buvaient toujours du vin, on pouvait même plus tirer aux pigeons puisque c'était interdit par la charia. Enfin, autant de choses qui contraignaient le peuple sous une chape véritablement d'un schisme extrémiste. Mmh. Et là, ça ne pouvait, au bout du compte, que mécontenter la population. D'ailleurs, en 1615, ce Majlissi qui avait voulu réguler, d'après la charia, le peuple, au tournant donc du XVIIIe siècle, on a incendié sa maison en 1715. Donc ça veut dire quelque chose, qu'on incendie la maison d'un extrémiste chiite qui a en quelque sorte dominé la pensée pendant de nombreuses années. Alors Yves Bommati, nous arrivons au terme de cette émission. J'ai fait à dessein, je ne le fais jamais, mais plusieurs ponts avec notre époque contemporaine. J'aurais en faire un dernier, précisément en répondant à quoi sert l'histoire. Est-ce que l'histoire de l'Iran, telle que vous la décrivez là, peut servir à l'époque contemporaine au regard des événements actuels en Iran ? Oui, je pense que l'histoire peut forcément servir dans la mesure où, comme disait un des grands iranologues, il y a des continuités souterraines qui font que on ne peut pas oublier que Cyrus le Grand a édité la première charte des droits de l'homme. Le fameux cylindre de Cyrus. On ne peut pas oublier que Shah Abbas a pensé à l'équilibre des pouvoirs et a remis le religieux comme un des appuis forts de son régime, mais pas la chose la plus importante. Donc, j'ai cité tout à l'heure Henri Corbin sur les continuités souterraines, mais je pense que tout ceci ressurgit dans l'histoire d'un peuple. Eh bien, merci beaucoup Yves Bommati d'être venu à notre micro. L'âge d'or de la Perse, l'épopée des Safavides, 1501-1722, un ouvrage remarquable à lire et à faire lire, paru aux éditions Perrin. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité à Storia Voce. Je vous renvoie aussi à Histoire et Civilisation. N'hésitez pas à vous abonner à Histoire et Civilisation pour 1 euro par mois. Rendez-vous sur le site internet histoireetcivilisation.com. Merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.